Après 2 ans d'absence, revoilà le mémorial Rick Van Den Bergen. Nous sommes donc autour de Arendonk pour 174,7 km, un parcours tout plat avec différents circuits. Et dès les premiers kilomètres de course, l'échappée matinale s'est constituée avec 7 coureurs. Sébastien Grignard de Lotto Soudal, Seriel de Saal de Bingo Loanoni Bruxelles, Colin Joyce de Human Powered, Ward Van Hoof de Sport Valoise Van der Run, Stein Demon pour l'équipe BEAT, Thijs de Lange de la Metec et Nick Van Der Meer de la Volker Vessels. Ils n'ont eu que 2 minutes d'avance sur le peloton au maximum à plus de 100 km de l'arrivée. Un peloton emmené par la Bike Exchange de Dylan Groenewegen, l'Alpecin de Koenig de Tim Merlier, le champion de Belgique, et la Quickstep Alpha Vinyl de Mark Cavendish, le champion de Grande-Bretagne. Et malgré une belle résistance des fuyards, l'échappée a été neutralisée à 4 km de l'arrivée. Place maintenant au sprint final dans les rues de Arendonk avec Mark Cavendish qui lance de loin le sprint, mais il est débordé par le champion de Belgique Tim Merlier qui décroche sa 23e victoire professionnelle, la 5e de la saison et la 31e pour la formation Alpecin de Koenig. La 2e place revient à Mark Cavendish et la 3e place pour Dylan Groenewegen. Ciao tout le monde.